Qu'est-ce qu'on fait quand on est moi et que pour une fois, il y a un challenge où il n'y a pas des millions de règles qui est super simple? On le rend compliqué. Allô, allô, c'est Karine de Mon Connecture et aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à lire pour le challenge Lisons d'Asie d'Eva de Perfect Books. L'an dernier, j'avais participé avec enthousiasme et j'avais adoré ce challenge-là. Il y avait plein de catégories, il fallait lire plein de trucs. Bref, je m'étais donnée. Cette année, pas de consigne, pas de menu, il s'agit de lire des livres d'auteurs asiatiques ou encore qui se passent en Asie pendant les mois de juin et juillet. C'était bien trop simple. Mais bon, pour ceux qui aiment ce challenge, il y a quand même un autre petit volet à côté qui implique de lire des livres qui viennent d'auteurs de pays différents d'Asie. Puis là, c'est là où je me suis compliqué la vie. En fait, j'ai failli pas la faire, cette vidéo-là. Parce que au départ, je m'étais dit, ben, c'est pas compliqué, c'est cool, moi qui chiale que je réussis pas à finir mes challenges, puis que je lis pas ce que je veux ces temps-ci, je vais juste prendre les livres asiatiques dans ma pile à lire. Le problème, c'est que je n'ai comme pas tant que ça. En fait, ils viennent tous du Japon. Fait que là, ça marche pas, parce que je peux pas remplir le truc des pays. Ça fonctionnait pas. Fait que là, j'ai dit, merveilleux, je vais prendre la liste qu'Eva nous fournit de pays d'Asie, qui sont divisés en différentes sous-régions, ainsi que les pays qui chevauchent l'Europe et l'Asie, puis je vais essayer de lire un roman de chacun des pays. Il y en a 54. En fait, non, j'ai trouvé des romans pour 54 de ces pays-là. Mais si on considère que j'ai lu 59 livres depuis le début de l'année à date, ça marche comme pas. Une année, il faut être un petit peu réaliste et prendre en compte son rythme de lecture de schnout en 2023. Mais quand même, j'ai pris plusieurs soirées pour essayer de trouver des livres disponibles soit à la bibliothèque, soit en e-book, qui venaient de chacun de ces pays-là. Fait que, finalement, qu'est-ce que je vais faire avec ce challenge-là? Et surtout, qu'est-ce que je vais faire avec cette vidéo-là? En fait, le problème, c'est la vidéo, c'est pas le challenge. Mais bon, on va dire que je me challenge à lire des auteurs provenant de 10 pays d'Asie différents entre juin et juillet 2023. Mais j'ai trouvé bien plus de livres que ça qui me tentent, là. Mais là, je vous les montrerai pas toutes parce qu'on va être là demain matin. Puis je vais peut-être aussi vous parler des pays pour lesquels j'ai pas trouvé de livres, au cas où vous auriez des recommandations génialissimes. Je suis preneuse. Bon. On regardera ça à la fin, puis si vous n'êtes pas tanné, peut-être que je vous lirai le reste de ma liste. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur le challenge, je vais mettre dans la barre d'infos ici les liens vers les réseaux sociaux d'Eva. Eva, elle est sur Twitch, elle est sur Instagram, elle est des fois sur YouTube. Elle a partagé des recommandations, des piles à lire, bref, vous pouvez aller voir tous ces trucs si ça vous intéresse. L'année passée, j'avais fait des lectures géniales dans ce challenge-là, et je pense que j'en avais parlé d'ailleurs. Je vais vous mettre le lien de la vidéo, genre ici ou là. En tout cas, quelque part. On va donc y aller avec les pays que j'ai choisis, puis on va essayer de les séparer en régions, mais encore une fois, c'est pas si simple, parce que dépendant des sites où on regarde, un pays est pas classé dans la même place que l'autre, puis ça me perturbe. En tout cas. Bon, disclaimer, avant de commencer, là, ça va être le festival des noms mal prononcés, ok? Je m'en excuse d'avance, je suis désolée, mais ça va être ça. On va commencer avec la partie qu'on associe le plus spontanément à l'Asie, c'est-à-dire l'Asie de l'Est. Puis moi, ben comme j'ai juste de japonais, je vais commencer par le Japon. Je vais donc vous présenter le seul livre papier que j'ai dans cette pile. Oui, je sais, c'est dur. Il s'agit donc du Goûter du Lion et c'est de Ito Ogawa. D'après ce que je peux comprendre, parce que j'ai pas lu beaucoup de critiques de ce roman-là, c'est une personne qui décide de venir passer les derniers jours de sa vie dans une île qu'on peut atteindre seulement par bateau, l'île au citron. Dans cette île, il y a la Maison du Lion, où elle va rencontrer d'autres pensionnaires, dont un chien. Bref, je pense que c'est des petits moments de vie, le genre de truc auquel Ito Ogawa nous a habitués et que, généralement, j'aime beaucoup. Donc oui, je vais le lire, je l'ai reçu il y a une éternité, c'est gênant, je ne l'ai pas encore lu, mais ça me tente full. Ensuite de ça, pour le Japon, on s'entend, j'en ai 25 ici, mais j'aurais le goût de découvrir un des auteurs favoris d'Eva qui est Keigo Higashino, peut-être avec le dévouement du Suspect X, vu que ça semble être son préféré, à moins que vous en ayez d'autres à me suggérer de cet auteur-là, qui fait, si je ne m'abuse, surtout des romans policiers et des polars et des romans noirs. Puis c'est sûr, j'en profite pour lire un ton de manga, là. C'est sûr, je n'ai plein à lire, puis j'ai très très hâte de les lire. En fait, je pense que je vais me retaper tous les carnets de l'apothicaire avant de lire le dernier tome. Ouais, ça c'est une bonne idée. Puis ma nièce voudrait que je découvre Spy X Family. Peut-être. Faudrait que je les trouve, ceux-là. Ensuite, pour la Corée du Sud, j'aimerais lire Généalogie du mal de Jong Yoo Jong. Hey boy.
Si j'ai bien compris, dans cette histoire-là, on va être dans une école secondaire et il y a un professeur que tout le monde aime, que tout le monde adore, qui a l'air fantastique, mais on va découvrir petit à petit que il n'est pas tant que ça, puis il fait drôlement peur, ce mec. Ça va commencer avec une histoire sur un animal. Ouais, trigger. Mais j'ai hâte de voir où ça va s'en aller, puis tout le monde qui l'ont lu disent que c'est fantastique et que c'est prenant et que c'est dérangeant. I'm in. C'est pour moi. Maintenant, si on s'en va du côté de l'Asie de l'Ouest ou du Moyen-Orient, je sais pas, c'est là où c'est le plus mêlant. On s'en va en Iran. Et en Iran, je voudrais lire Une pincée de terre et de mer de Dina Nayeri, qui est une autrice que je n'ai jamais lue. Et c'est une littérature qui m'intéresse vraiment beaucoup, la littérature iranienne. Ici, c'est un roman qui date de 2012 et ça parle de la révolution islamique en Iran. C'est l'histoire d'une jeune fille qui avait une jumelle et elle en est persuadée lors de l'attentat à l'aéroport en 81. Sa mère et sa sœur jumelle ne sont pas mortes, elles sont maintenant aux États-Unis. En fait, non, c'était pas un attentat, elles se sont perdues de vue. En tout cas, je sais pas, il s'est passé quelque chose dans un aéroport. Ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est une histoire où il y a beaucoup de contes, c'est une histoire où l'héroïne principale qui est restée en Iran et qui vit l'oppression de cette époque-là, ce rêve se vit à travers sa fameuse sœur qui serait aux États-Unis. Est-ce qu'elle y est, est-ce qu'elle y est pas? On le sait pas vraiment. Mais bref, ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'il y en est. On s'en va pas trop loin, on s'en va en Irak, où je voudrais lire Frankenstein à Bagdad de Ahmed Sadawi. Pourquoi? Parce que Frankenstein... On se le cachera pas, j'ai vu Frankenstein, j'ai dit « ok oui, c'est ça que je veux lire ». Il paraît que c'est un mélange de réalisme et de conte fantasmagorique. Tellement mon genre. Donc, on aurait un chiffonnier qui récupère les bouts de corps qui sont un peu disséminés dans les attentats. Oui, oui, je sais, c'est un peu dégueu, mais vous voyez le lien avec Frankenstein. Et il va les recoudre ensemble. Sauf qu'il semblerait qu'une âme errante ait pris possession de cette créature-là. Elle a décidé de venger ceux qui sont morts pour rien. Étant donné le lien avec Frankenstein, j'imagine que ça va parler de peur de la différence, de peur de l'inconnu, le tout d'un contexte de guerre. Bref, je veux lire ça. On s'en va maintenant au Liban, où je veux et où je vais lire Les vies de papier de Rabi Alameddine. C'est un auteur dont j'ai déjà lu L'Ange de l'Histoire, j'avais beaucoup aimé, mais celui-là, il m'a été recommandé par mon amie Yoyin Laurence, celle que vous voyez dans la vidéo de la semaine dernière, et elle me disait que c'était un ode un peu érudit à la littérature. Elle sait parler à mon cœur, donc c'est clair que je vais lire ça. Nous avons donc un personnage principal qui a 72 ans, les cheveux bleus, elle a toujours refusé les carcans, et elle, son petit plaisir, c'est de traduire en arabe les romans de ses auteurs préférés. On parle de Kafka, Pessoa, Nabokov, bref, je suis pas sûre si ça passe si bien à cette époque-là, à Beyrouth. Ça parle de livres, ça parle de littérature, il paraît que c'est aussi un ode à la beauté de la ville de Beyrouth, qui est complètement détruite, mais qui est quand même belle, il faut que je lise ça. On se dirige ensuite vers Oman, et je sais même pas comment on dit le nom du pays, c'est n'importe quoi. Et je vais rencontrer une autrice à Oman, une autrice qui a gagné l'International Booker Prize en 2010, je pense. Mais bref, une autrice d'Oman traduite. Il n'y avait pas beaucoup à ce moment-là. Je pense même que c'était la première en anglais. On est donc dans un village, il y a trois sœurs très différentes qui sont toutes les trois à marier. On en a une qui va faire un mariage de raison, l'autre qui va se marier par amour, et la troisième qui est un peu insoumise, qui lit des romans d'amour, elle voudrait le grand amour, sauf qu'il semble être parti, on n'est pas certaine qu'il va revenir. Il paraît que c'est un roman à la construction particulière, on part de ces trois femmes, on va vers leurs ancêtres, leurs descendants, et on va être témoin de toute l'évolution de ce pays-là pendant plusieurs années. C'est sûr que ça m'intéresse, c'est clair. Bon, tantôt je vous ai fait une menterie, j'avais dit que j'en avais un dans ma pile à lire, ben en fait j'en ai deux. Peut-être trois, mais j'ai pas encore décidé. Sauf que là, le seul problème, là, c'est que le livre, je le trouve pas. C'est un livre que j'ai reçu dans une box littéraire qui, normalement, sont tous ici ou là. Mais bon, là, il est disparu. C'est un coup du docteur. Il s'agit de The Stardust Thief et c'est de Chelsea Abdullah. Y a-t-il été traduit? Je sais pas. En fait, non, je pense pas. Donc, l'autrice vient des États-Unis, mais elle a des origines du Koweït. C'est un roman jeune adulte, c'est de la fantaisie ou du fantastique, je ne sais trop. Et ça nous parle d'un personnage principal qui est une criminelle qui vend de la magie interdite pour sauver son bodyguard qui est un djinn. Sauf qu'à un moment donné, elle va attirer l'attention d'un méchant roi qui lui demande quelque chose qui pourrait risquer de sacrifier tous les djinns du monde. Et à travers tout ça, elle va découvrir que peut-être les choses ne sont pas exactement comme elle pense. Bref, typique fantaisie jeune adulte. Mais il y a des djinns.
et ce serait inspiré un peu des contes d'Émilie et une nuit. Donc, pourquoi pas? Il faut que je le trouve, par contre. Il me semble qu'il était blanc, le livre, avec du violet. Puis l'autre livre que j'avais dit que je ne le savais pas, lui, je viens de le trouver en cherchant l'autre, c'est... Ah! C'est An Arrow to the Moon de Emily X.R. Penn. Et je crois qu'elle est connue pour faire du réalisme magique. Mais c'est pas par lui que je voudrais commencer. Il y en a un autre, Astonishing Color of After, quelque chose comme ça. Il est rose, mais je l'ai pas. C'est compliqué ma vie. Parce que dans celui-là, ça a l'air d'être une romance aussi jeune adulte. Il y a un garçon qui est capable de viser parfaitement avec un arc et une flèche. Une jeune fille qui est normale et qui voit sa vie bouleversée par l'arrivée de ce nouveau garçon dans sa classe. Il y a des lucioles. Ça a l'air bizarre un peu, mais ça me tente un peu moins. On va voir. Là, je vais essayer de le remettre sans tout faire péter. Et oui, j'ai oublié le livre dont je viens de vous parler. En fait, l'autrice est née à Brooklyn, mais elle est d'origine taïwanaise. En ce dessin, direction Sri Lanka avec The Seven Moons of Mali Almeida. Hey, je l'ai eu. Ouais, Mali Almeida. Et l'auteur, lui, je vais le lire, c'est Shean Karunatilaka. Karunatilaka. Six syllabes. Hey, ça a dû être compliqué quand il a appris à parler, lui. Ou elle. En fait, je sais pas si c'est un auteur ou une autrice. On est à Colombo en 1990 et Mali Almeida, qui est un photographe de guerre, un gambler, et une drag queen, mais ça se sait pas. Du moins, c'est ce que je pense en lisant le résumé. Closeted Queen, ça ressemble à ça. Bref, il se réveille, décédé dans l'antichambre du bureau des visas célestes. Il n'y a aucune idée de qui l'a tué, il n'y a aucune idée de comment il est mort, et il va devoir essayer d'élucider tout ça. Par contre, même à cet endroit-là, le temps il n'est pas infini et il a 7 moons, donc probablement 7 mois, pour contacter les deux personnes qu'il aime le plus et les mener à des photos qui vont virer le Sri Lanka à l'envers. Ce roman-là a gagné le Booker Prize en 2022, il m'intrigue depuis et je vais le lire. En Inde, j'ai beaucoup hésité pour l'Inde parce qu'il y a plein d'auteurs indiens qui me tentaient, mais j'ai finalement opté pour The Book of Everlasting Things et c'est de Anshal Malhotra. Je prononce tellement n'importe comment, là. Donc, c'est une histoire d'amoureux maudits. C'est l'histoire de Samir et Firdaus. Je sais pas si c'est des hommes ou des femmes. Samir, c'est probablement un mec, mais Firdaus, aucune idée. Qui tombent amoureux en 1938 dans les allées d'une petite boutique de parfums. Juste ça, ça me tente. Ils sont apprentis calligraphes et apprentis parfumeurs. Et ils rêvent de leur vie future. S'ils rêvent de leur vie future en 1938, c'est que c'est probablement un homme et une femme. On va dire ça comme ça. Sauf que, arrive la partition, ils ne sont pas de la même religion. Donc, il y en a un qui se retrouve en Inde et l'autre au Pakistan. On va donc nous raconter cette histoire-là. Et il paraît que c'est plein de superbes descriptions de calligraphie et d'odeurs. Ça peut me plaire, vraiment. Pour l'autrice d'origine pakistanaise, j'ai choisi un roman qui est très très connu, mais qui se déroule pas au Pakistan, il se déroule surtout à Londres et aux États-Unis. Il s'agit de Homefire de Camilla Chemsi. Pourquoi je le prononce à l'anglaise? En tout cas, il a été traduit par Embrasement en français. On a donc Isma, un personnage principal qui se retrouve libéré. Elle est plus obligée de s'occuper de sa jeune sœur et de son jeune frère, qui sont maintenant grands, et elle décide de s'en aller poursuivre son rêve aux États-Unis. Sauf qu'elle est très très inquiète de sa petite sœur qui a des idées bien arrêtées, et de son frère qui est disparu en voulant poursuivre son propre rêve, c'est-à-dire de suivre les traces de son papa djihadiste qu'il n'a jamais connu. Non seulement on a tout ça, mais je pense qu'il va y avoir un autre personnage qui va entrer en scène et les destins de ces deux familles-là vont être intriqués. C'est un roman dont on a beaucoup parlé, qui a eu d'excellentes critiques, donc j'ai hâte de voir ce que moi je vais en penser. Comme le tome 1 vient de sortir en français, je viens d'apprendre que l'autrice de La fille de la déesse de la lune était d'origine malaisienne. En fait, américaine avec des origines malaisiennes. Donc, je me dis que je pourrais en profiter pour lire le tome 2, dont je ne me rappelle plus du nom, mais je vais mettre une image quelque part. Il me semble qu'il y a un soleil dessus, il me semble qu'il est jaune, puis qu'il y a une histoire de soleil. Mais j'avais bien aimé La fille de la déesse de la lune, j'avais pas adoré, je trouvais que l'histoire d'amour était so-so, mais j'avais aimé la mythologie et j'avais aimé le fait que ça aille vite sur plusieurs années. Donc j'aimerais quand même bien avoir la suite pour voir comment ça va se terminer. Pourquoi pas utiliser ce challenge? J'ai également ajouté à cette liste un roman que je veux lire depuis super longtemps. C'est un roman d'Amin Malouf qui, je crois, est libanais, mais qui se passe en Ouzbékistan. Donc, ceux-là qui ont fait des recherches un peu pour le challenge se doutent qu'il s'agit de Samarcande.
Et nous allons suivre un poète perse du 11e siècle qui est condamné à mort, mais qui se voit exilé à Samarcande. Donc le juge va l'exiler, il va lui donner un petit livre où il devra confier toutes ses pensées. Ce petit livre-là va devenir le Rubaïrat de Omar Khayyam, qui est le poète en question. Donc moi, parle-moi de l'histoire d'un manuscrit, de l'histoire d'un livre d'un poète persan, garde. Je ne résiste pas. Pour les Philippines, j'ai spoté la petite série de Cozy Mystery de Mia P. Manansala qui commence par Arsenic and Adobo. Et la série, ça s'appelle Tita Rose's Kitchen. J'imagine qu'elle doit cuisiner bien, bien mal. Donc, on a l'histoire de Lila qui vient de se taper une rupture bien, bien, bien merdique. Et elle retourne dans le restaurant de ses matantes. Sauf qu'un jour, il y a un vilain critique. C'est son ex, qui donne une appréciation épouvantable de la cuisine, puis ben devinez, il va mourir. Fait que tout le monde va mener l'enquête vu qu'elle est considérée comme le pire suspect. Cozy Mystery, je pense que ça peut faire du bien après tous les trucs un peu sérieux que j'ai mis dans cette pile à lire. Donc, c'est la fin des romans que j'avais décidé de lire officiellement pour ce challenge-là. Avouez que c'est raisonnable. Si vous êtes encore ici, vous pouvez liker la vidéo et me mettre un petit emoji sushi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les pays pour lesquels je n'ai pas trouvé de romans et je vais vous lister rapidement les romans que j'avais spotés pour les pays que je n'ai pas choisis. Je ne vais pas vous dire de quoi ils parlent, je vais juste vous les lister. Fait que je vais regarder là parce que les noms sont dans mon tableau qui sont ici. Donc, les pays pour lesquels je n'avais rien trouvé. Puis si vous avez des suggestions géniales, mettez-moi-les là parce qu'en fait, j'ai pas désespéré que d'ici 3 ans, j'ai lu tous ces pays-là. Parce que vous savez, dans mon trip statistique, j'ai une carte avec tous les pays que je lis par année, puis j'aimerais ça qu'elle soit remplie. Il m'en faut peu. Donc, je n'ai rien trouvé pour le Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, les Maldives, la Birmanie, Brunei. Étonnamment, il n'y a rien qui me tentait dans la littérature cambodgienne, mais ça se peut pas qu'il n'y ait rien, c'est impossible, donc recommandation s'il vous plaît. Singapour, et là j'ai lu le premier tome de Crazy Rich Asians, puis j'ai pas tant aimé, fait que je veux pas nécessairement continuer. Timor oriental, Mongolie, parce que j'ai lu La fin du chant de Gelsang Chinag l'année passée, c'était tellement beau, j'avais adoré ça, mais j'ai rien trouvé d'autre qui était disponible. Le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, et c'est pas mal ça. Pour les autres livres que j'avais spotés, dites-moi s'il y a une pépite, quelque chose d'extraordinaire là-dedans que je manque. Donc, pour Israël, j'avais pris Une histoire d'amour et de ténèbres d'Amos Oz, mais il fait 800 pages, c'est sûr, j'aurais pas le temps de lire ça. Turquie, je voulais relire un autre Elif Shafak, mais comme j'en ai lu plusieurs, je ne l'ai pas sélectionné cette année, je voulais tenter L'architecte du sultan. Pour l'Arabie Saoudite, il y avait The Dove's Necklace de Raja Alem. Pour la Jordanie, il y avait Time of White Horses de Ibrahim Nasrallah, mais ça avait l'air d'être un tome 2 puis je trouvais pas le tome 1 traduit en anglais. Fait que ouais. Le tome 1 c'était The Lanterns of the King of Galilee. Pour la Palestine, il y avait Wondrous Journeys in Strange Land de Sonia Niemer. En Syrie, Seigneur de la Nuit de Salim Barakat. Au Yémen, Le pays du commandeur de Ali Al-Moukri. Au Bangladesh, La guerre du Henné de Adiba Jagirdar. Oh mon dieu, la prononciation. Au Bhoutan, Le cercle du karma de Kungzang Choden. Au Népal, Muna Madan, et c'est de, je vais vraiment être obligée de le lire, Lakshmi Prasad Devkota. Pour l'Afghanistan, j'ai hésité à lire Maudit Dostoïevski de Atik Raimi parce que Dosto. Je vais peut-être le lire pareil en fait. En Indonésie, j'ai été tentée par Le Monde des Hommes, et ça, c'était de Pramoedya Ananta Toer. Je me sens mal à l'aise présentement. En Indonésie, j'étais intriguée par How to Pronounce Knife, c'est-à-dire le K ne se prononce pas, et c'est de Suvankam Tamavonga. Travaillons notre voix de lecture graphophonétique. En Thaïlande, il y avait Bangkok Déluge de Pichaya Sunbatad. Pour le Vietnam, Terre des oublis de Dong Thu Wong. Et là, on le dira pas, mais lui, je l'ai, mais il est gros. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas choisi. On le dira pas trop fort. En Chine puis en Russie, j'ai plein de choix, donc je verrai si ça me tente, mais j'en avais pas spoté un en particulier. En Corée du Nord, j'avais mis, comme presque tout le monde, Je voulais juste vivre. Et c'est de Yeonmi Pak. Pour Taïwan, il y avait Ancienne capitale de Tien Tsin Chu. En Ouzbékistan, ah, mais
Le Amin Maalouf Samarkand, c'est-tu en Ouzbékistan? Je me suis trompée, je l'ai mis en Azerbaïdjan. Ouf. En tout cas, quelque part par là, je mettrais la bonne, en fait. J'avais trouvé un autre truc pour l'Ouzbékistan et c'était The Devil's Dance de Amin Ismailov. Et finalement, pour le Turkménistan, il y avait Tale of IP de Ak Valspar. Ah oui, il me manquait la Géorgie aussi tantôt. Je n'ai pas trouvé pour la Géorgie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce que vous, vous participez à Lisons l'Asie? Je vous le conseille sérieusement, en littérature asiatique, il y a des pépites. Il y a des trucs extraordinaires dont on n'entend pas tant parler, en fait. Là, je suis super crinquée. J'ai super hâte de lire ça. On va espérer que ça continue en juin et juillet. Ça ferait bien que je réussisse un challenge. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de faire un commentaire. Moi, j'aime jaser de livres. C'est ça, je m'ennuie du monde des blogs parce qu'on jasait de livres. C'était cool. Donc oui, parlez-moi de livres. Moi, c'est pas parlez-moi d'amour, tu sais. Parlez-moi de livres. Ouais. Bref, je vous laisse là-dessus parce que quand je commence à chanter, ça veut dire qu'il est tard. Je vous souhaite de très belles lectures, une bonne fin de journée et à la prochaine.